Et c'est le jackpot! Et bonjour à tous, on se retrouve sur Mindtest, encore un nouvel épisode sur le casino. Normalement, ce sera le dernier parce qu'on a déjà fait pas mal là quand même. Il a peut-être pas autant avancé que j'aurais voulu, mais ma foi, c'est comme ça. Alors, programme aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire. Déjà, juste que je tienne mon téléphone avant qu'il râle. Voilà. Alors déjà, on a cette zone-là, je vais vous expliquer juste après, donc ce sera un petit portique d'entrée payant. Les petits soucis qu'il y a avec aussi pour l'instant. Ensuite, on ira là-dessous et on va installer des notes blocs pour se faire une petite musique sympa relativement au jackpot. Le but, ce sera bien sûr de faire après, on lancera la pièce, puis ça fera de la petite musique, puis ensuite si... On gagne, et ben on a une autre musique encore plus sympa. Voilà. Alors on va déjà voir ce qui se passe là en haut. Ce que j'ai fait, ce qu'on a qui marche ou non. Alors le concept, bon bah c'est un petit trieur à coffre tout classique, hein. Il y a un coffre avec les déchets qui n'ont rien à faire là-dedans. Si je lance oh. Bon bah j'ai lancé les briques là, elles sont arrivées là, c'est normal. Et puis si par contre c'est une pièce de cuivre, c'est-à-dire le coup pour passer là, Emma, elle va venir se ranger dans ce coffre-ci. Voilà, alors normalement il y a un détecteur là. Et... Ça c'est fait, ok, on va remonter. Vous le voyez, il fait le point là. Justement, c'est trop cool. Comme ça, pendant qu'on remonte, je peux profiter pour parler des fail points. Alors on a un superbe petit mod qui est arrivé. Merci à Magnésium, enfin MG, je sais plus. Je sais jamais comment je dois le dire, MG ou Magnésium. On va dire MG, comme les derniers épisodes. Donc merci à MG d'avoir fait ça. Maintenant, ça veut dire que je peux envoyer, si je mets... je vais réactiver le chat que j'avais désactivé. Si je mets ça... Si je tape slash fail cyberpangolin... Eh ben, il me dit que non, en fait, je me suis planté, il faut pas que je me... Il faut pas que je me fasse ça à moi-même. Mais si je donne à quelqu'un d'autre, et ben ça fonctionne et on distribue les fails comme ça. À savoir qu'il y en a un nombre limité, il y a quelques personnes qui ont un privilège spécial qui permet de distribuer des fails à l'appel. Et les autres, on peut distribuer autant de fails que... Enfin, vous pouvez, parce que moi j'ai le privilège pour donner autant que je veux. Vous pouvez distribuer autant de fails que vous en avez reçus. On a aussi des cookies. C'est la même chose, mais c'est slash cookie et le nom de la personne. Et c'est pour dire que vous avez fait un truc bien. Bref, donc nous sommes de retour ici. Alors on va lever ça. Voilà, c'est ça que je voulais faire avant en fait. Il est passé en bas. Tant pis. J'en ai encore tout plein sur moi, hein. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. 44. Et puis il est pas si en bas que ça, puisqu'il est juste là. On s'en fiche. On aspire là. La pièce arrive là, et normalement, là, pouf, on envoie une petite impulsion. L'impulsion, elle arrive là-dessous, et il y a un delayer pour augmenter le temps de l'impulsion, parce que c'est juste tac-tac, puis c'est fini. Et ensuite, le delayer, il active là, pendant un certain temps, le système, pouf, et ça ouvre ici. Pourquoi ça ouvre? Parce que il y a la torche juste là, qui se trouve en dessus, donc elle est en position, elle fait l'inversion de ce qu'elle voit en dessous. Là, elle capte qu'en ce moment il n'y a rien, donc elle est allumée, donc elle alimente le piston. Si maintenant je jette ma pièce, voilà, j'ai mis une pièce, normalement, voilà, on a vu l'impulsion, et normalement, voilà, ça s'ouvre, et on est content. Génial. Le problème, c'est que là, c'est un délai qui a été réglé sur 1 seconde. Et là, on voit, ça reste ouvert. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? A priori, en fait, là, le système, il est en mode...
Il se comporte pas comme il doit en fait. Au lieu de mettre juste une impulsion on-off, je pense qu'il a peut-être pas le temps de le gérer ou je sais pas quoi. Il va juste changer d'état. Donc il passe de on à off ou de off à on. Alors dans l'absolu, bah, je peux refermer en remettant une pièce. Mais j'ai pas spécialement envie sur le long terme de me payer moi-même pour fermer un passage que je fais payer aux autres. Non, peut-être pas un autre bloc. Non, ça c'est pour après. Voilà, normalement. Boum, ça se referme. Et voilà, encore qu'une fois, comme je disais, ça reste. Il n'y a pas de. C'est pas logique en fait. C'est un petit bug, c'est pas grave. Hein, Mais on va composer avec ça. Alors, pour ce faire, on va faire un petit fixe. On va partir d'idée que là, j'aimerais du positif en bas que ce soit ouvert. Non, 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 l'inverse, pardon, l'inverse. Donc là, on est juste. Alors, pour faire le petit fixe auquel j'ai pensé, merci. On va décaler ce coffre-là, on va le mettre jusque-là, on va dire. Comme ça, on va mettre un petit délai supplémentaire. En fait, ce sera un petit bout de trajet en plus. Ouais, ça, c'est pas grave, on peut le mettre là. Voilà. Et ce qui va se passer, du coup, c'est qu'on va envoyer un deuxième signal. Et j'espère que ça va inverser le truc, donc permettre d'avoir un système ouvert-fermé, ouvert-fermé. Alors j'ai pas testé encore, hein. Je teste ça en direct. Voilà, ça part d'un système. Une fois, ça ouvre. Et il y a une deuxième impulsion, ça referme. Parfait. Je vais refaire encore une fois pour être sûr. Mais si ça marche comme ça, alors on est content et tout va bien. Une impulsion, ça devrait ouvrir. Ah d'accord, passé en position. Là on est repassé en position fermée. Donc il faudrait qu'un deuxième objet passe. Ok, bon bah alors on va laisser ça de côté pour l'instant. Sachant que le comportement ne correspond pas à ce que ça devrait être. Et je réfléchirai à la question, je ferai un fixe plus tard, je vous expliquerai comment ça marche, parce qu'on va en avoir encore pour. On peut en avoir pour des heures avec ça. Et j'ai d'autres choses intéressantes à faire. Voilà, alors on va redescendre sous terre avec la fameuse machine là qui marche, hein, il n'y a pas de souci. J'ai vu que quelqu'un avait gagné des pièces déjà. Il y a deux trois des petits prix comme ça que j'ai mis, plus ou moins intéressants suivant lesquels. Donc ça c'est bien. Et nous on va se remettre de ce côté-là assez près si possible du système pour pouvoir faire ben, pouvoir faire notre petite musique quoi. Alors il me faudrait pour ça un détecteur. Tac, un tuyau détecteur, on le fait de tête. Ça doit être comme ça. Non, c'est trieur, mince. Alors, est-ce que c'est avec les plastiques? Ah ouais, zut, c'est avec les plastiques. Il n'y a pas d'alternative. Alors, je vais aller faire ça. Je vais aller faire ça et on se retrouve juste après. Et voilà, on se retrouve. Alors, j'ai réussi. J'ai pris mon petit détecteur. Alors première chose, on veut détecter que ça entre dans le système. Pourquoi ça? Tout simplement parce que c'est plus fun si on dit eh oui, il y a bien quelque chose qui est rentré. T'as commencé à jouer. Bah ça c'est cool quoi, je veux dire. Alors, dans l'idéal, faudrait le mettre ici, juste avant tous les croisements. Comme ça, c'est seulement si c'est une pièce qui rentre, que ça fonctionne. Mais je vais pas m'amuser à faire ça. Ce serait juste une grosse perte de temps. Et puis finalement, ben, il y a quand même. Le but, c'est quand même pas de balancer des objets exprès là-dedans. Donc, puisque c'est un chest qui est là comme. J'ai envie de dire comme poubelle. Enfin, comme sécurité en fait. Pour pas qu'on puisse faire des faux paiements. Alors, ça on enlève. Voilà. Non, et j'aimerais mon truc ici. Donc, oh, j'ai pas amusé à récupérer le tube, c'est pas grave.
Voilà, alors. Ça, il est relié, on est content. Voilà. Ah oui, il me faut des 10 layers, ça j'en ai pas. Comment je fais ça? Parce que si on veut faire de la musique, le plus simple c'est encore de mettre un petit peu de. Oui, de faire une impulsion, puis après, ben, à chaque fois, on a un délai, une note, un délai, une nouvelle note. C'est de loin le plus facile à mon avis. Voilà, on va faire quelques torches. Voilà, ensuite, delay. Boum. Et pourquoi ça marche pas? Si là je suis juste. Ok. Ah, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est très embêtant ça. Je n'ai plus de délai. Catastrophe. Pourquoi? Donc là, tac, tac, tac. C'est des mestres. Ah oui. Oui, voilà, c'est bon, j'ai compris. Voilà, le fail point il est pour moi, hein, s'il vous plaît. Ouais, vous pouvez en faire deux même, s'il vous plaît, madame. Ouais. Ah, trois ici, ok. Quatre pour monsieur, parfait. On n'ira pas plus loin. Voilà, je dois être un tout petit peu fatigué, hein, les fêtes, tout ça. Sinon, je ferais pas des bêtises pareilles. Bon, ça, au revoir. Et ça, j'en ai besoin. Tout ça, besoin, besoin. Gravier, au revoir. Miscon, c'est bon. Alors, on va se mettre juste là pour la petite musique. Est-ce que j'ai une pelle? Maintenant, oui. Voilà, je me fais une pelle de luxe. Alors, ça, on met dans le sac. On n'en a pas besoin pour l'instant. Voilà. Voilà, les pelles de luxe, c'est bien. Enfin, c'est pas du. Le luxe n'étant pas un matériau, mais bien. C'est une expression pour exprimer que j'aime cette pelle. J'aime rouler ma pelle. Non, rien à voir. Alors. Donc là, il y a un truc. On va mettre un autre bloc. Ça va faire ding. J'ai pas beaucoup de notes blocs. Je verrai. Je pense que je vais faire des. Un peu tourner autour, puis réutiliser la même note. Alors. Voilà, et puis. Si j'en mets un là, normalement, ça va sonner là et là, après. Bon, c'est juste un test, hein. Je les réglerai plus tard en faisant, si on trouve une petite mélodie sympa. Allez, boum. Ah ouais, mais si j'enregistrais le son du jeu, ce serait pas mal quand même. Comment je vais faire ça? Ok, alors je sais comment je vais faire. Ouais. Alors je re tout de suite. Et on se retrouve. Alors petit bug, juste en passant comme ça, je me suis fait troller par mon propre ordi. J'ai fait tout le record en audio avec ma voix. Et en fait, ben. Quand est arrivé le moment de tout quitter, j'ai appuyé sur le bouton fermer Audacity. Et il m'a demandé, voulez-vous vraiment? Puis j'ai dit, ah non, je veux pas. Puis j'ai cliqué sur oui, je veux vraiment quitter sans sauvegarder. Enfin bref, au final, j'étais trop vite. Voilà, une fois de plus, j'ai tout perdu. Voilà, ça c'est dit, comme ça le fail point, il est là. Ensuite, donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un petit objet. Juste pour voir ce qui se passe si on lance le mauvais objet, en fait, tout simplement. Alors, attention. Il charge. Voilà, on va lancer de la Desert Cobble. C'est parti. D'ailleurs, la musique déraille un peu derrière, malheureusement. Je sais pas à quoi c'est dû. Ça marchait très bien jusque-là. J'ai pas d'explication logique pour ça. Voilà, alors ça sonne tout plein de fois parce qu'en fait les items font des allers-retours dans le tube. Voilà, ils remontent et ils vont redescendre. Si ça avait été des pièces, ça aurait juste sonné une seule fois. Hein, donc
Ça dit bien, eh oh, t'as pas mis la bonne chose. Et du coup, ça va continuer à sonner deux, trois fois. Voilà. Alors maintenant, on va redescendre et on... Oui. On va redescendre et on va s'occuper de la suite. Faire la musique pour la victoire. Et on se retrouve un bon petit peu plus tard. Donc, tout a été posé déjà. Et là, on voit que, ben, on peut faire de la musique avec comment? Avec les blocs-notes. Les notes blocs plutôt, parce qu'un bloc-notes, c'est pour écrire. Bref, mais là j'étais confronté à un petit problème quand même. Voilà, on fait les notes d'un côté, et il y en a d'autres qui font juste boum. Et alors, qu'est-ce qui se passe-t-il en fait? C'est juste le contact avec la pierre brute, qui fait que ça fait boum. Et il faut vraiment que ça soit libre de tous les côtés. Voilà, c'est comme un haut-parleur qui aurait la membrane qui taperait contre de la pierre, ça ferait juste boum aussi, a priori. Voilà. Du coup, je dégage un peu tout ça. Et ensuite, on a de quoi faire de la musique qui sonne partout. Alors, a priori, ça fait pas la même chose avec la cobble. Je pense que c'est un modèle pour dire... Ah, la cobble, c'est des cailloux agglutinés, ça prend, c'est moins dense, donc ça bloque pas la membrane. Enfin bon. En tout cas, c'est moins à savoir, ça permet de faire de la... Ça permettra de faire des percussions, des choses comme ça, si on a envie une fois. Voilà. Petit fail maintenant, un bloc de messe pour essayer d'activer tout le système, ça ne fonctionne bien sûr pas. Il me faut mettre une messe torche, je vais la mettre juste après. Pouf. Oui, parce que j'ai tenté de la mettre. Et oui, j'ai aussi passé à peu près 5 minutes à me battre pour faire des raccords. Voilà, alors pour tout ça, on va faire ceci. Voilà. Et maintenant... Ah oui, moi j'ai des carottes, c'est bien, quand on a faim. Oui, je me suis fait ma culture de carottes. Hein. Ce qui me fait penser d'ailleurs, le tournevis a été réparé. Il y a eu un fixe qui a été fait, donc maintenant c'est 200 utilisations. Pour le tournevis standard au lieu de 10, et il y aura où il y a déjà un nouveau tournevis en mitril avec sauf erreur 10 000 utilisations, ce qui permet de faire des jolies choses avant d'avoir un petit souci quoi. Voilà, petit test de la musique maintenant qu'on a activé avec la messe torche, puisque je me suis rendu compte du problème, tout va bien. Voilà, quelques petits réglages plus tard et on se retrouve juste après. Et on se retrouve devant l'entrée du casino. J'ai fait mes petits réglages, je suis tout content. Et maintenant, on va voir. Oui, non, on a tout dans ça. On va voir comment ça se passe. Donc, on arrive, on lance une pièce de cuivre. Oui, alors, j'ai pas mis de sécurité finalement pour lancer une pièce de cuivre. Je compte sur les gens pour être à peu près honnête avec ça. Et. Oh, ça a sonné juste une fois, donc on a joué. Maintenant, attends que ça vienne jusque dans le circuit. C'est toujours un petit peu long, hein, mais ça c'est normal, on peut pas faire grand chose. J'aurais pu faire quelque chose d'un petit peu plus compact, un peu plus court, mais malgré tout. Jackpot! Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on attend que ça remonte gentiment. Et. Oui, là je me suis rendu compte à ce moment-là. Oui, il faut vite débarrasser en vitesse les choses que j'ai dans mon inventaire. Sinon, si j'avais pas de quoi remplir. Ils vont être réaspirés dans le tube à droite, hein, donc il faut avoir la place. Et voilà, et on a gagné de la pierre et je sais plus quoi d'autre. Enfin bon, c'est pas. L'important c'est de tester le système. Voilà, sur ce, pendant que je retourne rapporter tout ça en bas, je vous dis déjà à la prochaine. On va changer de projet, j'ai une très bonne idée d'un gros truc à faire pendant pas très longtemps. N'hésitez pas à laisser un pouce de votre couleur préférée, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à tous à la prochaine. Ciao tout le monde!